Olá, meu nome é Matheus Ribeiro, eu sou do Brasil. Mãe nem nuiu, mãe tudo nem se gajon, mãe jogues Dakar, Senegal. Je m'appelle Geneviève Baudouin, je suis québécoise, je viens du Canada. Smith Yasser Abou Imad, Anna Mel Maghreb. Eu me chamo Fernanda Cavalcante e sou brasileira. C'est sûr que j'ai toujours été intéressée par la France, autant au niveau de la nourriture, des paysages et de la diversité du territoire et de ce que la France a à offrir. Durant ma précédente formation, j'ai beaucoup apprécié les cours que j'ai eu à faire dans les métiers de l'eau et je voulais approfondir. Parce qu'il y avait déjà des amis à mon université au Brésil qui étaient venus. Ils avaient trop aimé la ville de Strasbourg et l'école. Pour vivre une nouvelle expérience et me spécialiser dans un champ que j'ai toujours rêvé de me spécialiser. J'ai trouvé l'équipe du service de relations internationales très dynamique. Ils nous ont accompagnés du début, depuis notre admission jusqu'à notre arrivée à l'ENGES. L'équipe de l'école était très attentive. Ils étaient toujours disponibles pour nous aider quand on avait des problèmes. J'ai trouvé l'accueil à l'ENGES incroyable. Pour vrai, dès qu'on est arrivé, on s'est fait prendre par la main par le membre du personnel. On s'est aussi fait vraiment bien accueillir par les étudiants, autant dans les classes, dans les groupes d'études, dans le sport ou dans les activités sociales. L'ENGES, il joue, comme on peut dire, un rôle de complémentarité. À l'IAV, on avait beaucoup de cours théoriques. À l'ENGES, on a beaucoup de pratique. Je dirais que premièrement, c'est vraiment les horaires. Et au Québec, on a des cours le lundi, c'est toujours le même cours, le mardi, c'est toujours le même cours, etc. Alors qu'à l'ENGES, c'est vraiment, ça varie d'une semaine à l'autre. C'était l'organisation des cours. Parce qu'à l'ENGES, ils travaillaient beaucoup avec les entreprises, en partenariat et des choses comme ça. Une nouvelle façon d'enseigner, différente de ce que je connaissais d'habitude et j'aime bien la manière dont s'organisent les projets et les TD, le fait qu'on les fasse ensemble en classe avec les profs. C'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de cours qui multidisciplinaires, donc qui se joignent les uns aux autres au cours du semestre. À mon université au Brésil, on utilise moins de logiciels et on n'a pas l'infrastructure pour faire des projets avec les logiciels. Avec toute la promo et avec les professeurs en même temps. Et c'est une ville incroyablement belle, facile à voyager en vélo, facile à aller à l'école, facile à aller juste chercher un petit café dans un des petits cafés qu'il y a à travers la ville. C'est une ville qui est vraiment vivante, qui a beaucoup d'activités culturelles, beaucoup d'activités sociales. J'aime bien Strasbourg. Pour moi, c'est la plus belle ville de la France. Quand j'ai du temps, je sors souvent me promener sur les berges de l'île et c'est vraiment très agréable. Et j'aime beaucoup le parc de l'Orangerie. C'était la petite France. À cause de tous les restaurants, les petits magasins, il y a aussi de l'architecture qui est très belle. Mon endroit préféré à Strasbourg, je dirais que c'est sur le bord de la rivière. Autant en face de l'école sur le gazon, autant sur les quais un peu plus loin au centre-ville. Ça m'apporte de nouvelles compétences et j'ai aussi appris beaucoup de nouvelles matières que je ne connaissais pas. Mon parcours à l'ENGES m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, ça m'a permis de faire des amis, des vraiment bons amis à qui je parle encore aujourd'hui, de découvrir une nouvelle culture puis une nouvelle façon de faire au niveau scolaire qui est vraiment différente de la nôtre au Québec, mais qui n'est pas nécessairement moins bonne. Au contraire, ça nous a permis vraiment de voir une nouvelle façon de faire qui a vraiment ses bienfaits. Je me sens plus courageux parce que je suis allé en France. Je savais parler français, mais c'était pas un niveau de français haut. L'opportunité d'apprendre à résoudre des problèmes toute seule, de m'y connaître un peu plus, et aussi de connaître les différentes langues, cultures, paysages, et aussi de faire de nouveaux amis. Alors, ne stressez pas, vous avez toutes les acquis pour poursuivre les études. Le changement est assez
radical, mais on s'adapte très vite, du coup ça va. N'hésitez pas à faire cette mobilité, vous n'allez pas regretter du tout. Vraiment, je pense que cette expérience va changer votre vie. Ça serait de vous dire que vous avez pris la meilleure décision du monde. Moi aussi, j'étais un petit peu perdue, je ne savais pas trop où je m'ennuyais, mais tout est rentré dans l'ordre, fait que je vous dirais de ne pas stresser. Un conseil, c'est que prévoyez-vous des manteaux car il fait ici trop froid. C'est pas comme le Maroc.